faire du savon en pastille que j'utilise pour me laver. Donc tout le corps, et je me lave les cheveux aussi avec. Ça marche pour moi parce que mes cheveux sont gras et ce savon est adapté pour mes cheveux. Si quelqu'un a les cheveux secs, là ce serait pas une bonne idée d'utiliser le savon en pastille. La suite. Déjà, on va parler de la sécurité. On va utiliser de la lessive de soude. Donc c'est quand même, si on a des éclaboussures et que ça tombe sur la peau, la soude va réagir avec l'humidité. Donc la soude réagit avec l'humidité. Comme la peau est humide, ben, ça va nous brûler la peau. Au cas où, déjà, on met des gants, on met des vêtements qui couvrent tout le corps, on met des lunettes, et voilà, c'est assez, et on fait attention. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu d'éclaboussures, j'ai pas eu de soucis, mais on ne sait jamais. Et on tient aussi à portée de main du vinaigre. Donc j'ai ici une bouteille de vinaigre, mais j'ai aussi dans ma boîte à faire du savon, j'ai aussi mis du vinaigre en petit spray. Et voilà. Pourquoi? Parce que le vinaigre annule les effets de la soude directement, ça l'empêche de brûler, ça stoppe son effet. Donc si on en a un petit peu sur la peau, fitch, et ça devrait aller. J'ai une mauvaise idée qui vient de me passer par la tête. Je teste sur ma peau. Elle est sur la main. Ça c'est une décision soude. C'est le reste de ma dernière fois. Je teste. Allez, sur la paume de ma main, c'est pas grave. Hein. Je mets le doigt dedans. Ouais. Je vais tremper mon doigt dedans dans un pot tout neuf où le liquide est presque au bord du machin. Là. Là. Je mets mon doigt. Je me fais. Donc sur le moment ça brûle pas, ça brûle pas, ça brûle pas. Bon, ça doit être à la longue. Hein. Bon, dans les yeux ça doit piquer, là ça c'est sûr, là c'est sûr. Mais je vais pas le faire dans les yeux. Comptez pas là-dessus. Mais bon, ça a un aspect graisseux, un peu comme un white spirit. Ça brûle pas. Bon, c'est dissous aussi, hein, donc c'est à 29%. Donc c'est pas pur. Bon, je pense qu'à la longue, si je le laisse comme ça, ça va me laisser une petite tache brune. Je vais quand même mettre le vinaigre. Bon bah voilà, ça veut dire qu'on a quand même le temps de réagir si on en a sur la peau. Bon, sécurité mise à part. De quoi on a besoin? Bon, déjà, c'est ma mixture, c'est à froid, donc on ne doit rien chauffer. Ça me paraît moins risqué. On ne doit pas marmite sur le feu avec le plop, 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 et puis peut-être une éclaboussure. C'est chaud, ça brûle, enfin, à froid, ça marche bien, c'est un peu plus lent, mais pas plus. C'est tellement simple. De quoi on a besoin? Donc, on a besoin de j'utilise de l'huile d'olive quand on fait de la friture ou quand on l'utilise plus, cette huile d'olive, c'est une vieille huile d'olive usée. Je la récupère, je demande à la famille, aux amis de me la garder. Et quand j'arrive à avoir 2 kg plus ou moins, ce que j'ai ici, je pesais, j'ai 2 kg 200, j'ai de quoi faire des savons. Et j'arrive à un total de 4 kg de savon. Donc, huile d'olive. Un bidon de lessive de soude, Caligène, ça s'appelle aussi, c'est réduit à 29%, 29-30%,
Ça se trouve dans toutes les drogueries. C'est facile à trouver. Pour le moment, en tout cas. On peut l'utiliser dans son atelier aussi quand on travaille le bois, parce que ça, déjà, ça, c'est un décapant pour le vernis ou la peinture. Au départ, quand je commençais à l'utiliser, je ne le savais même pas. Je faisais juste du savon avec. Donc, c'est un décapant de peinture. Et ça permet aussi de, quand on a un vieux bois, quand on a un bois neuf, on passe la lessive dessus et ça le vieillit. Donc, si vous voulez avoir un meuble vieux, vous l'enduisez avec ça. Et en plus, il paraît que ça débouche les canalisations. Mais je n'ai pas utilisé. J'ai pas essayé, je ne l'utilise que pour faire du savon. Donc, qu'est-ce que cette soude fait? Elle mange tout. Elle transforme tout. Toute la graisse est transformée en savon et en glycérine. On n'aura jamais de risque d'avoir un savon avec des restes de soude, parce qu'on va toujours mettre un peu plus de graisse que ce qu'il peut manger. Donc, du coup, on aura un savon qui s'appelle un savon surgraissé, surgras. Et c'est intéressant pour se laver, pour avoir la peau douce, que le savon soit un peu plus gras que c'est pas important. Quand encore, donc, l'huile, la soude, un récipient de 5 litres, ça c'est un récipient d'eau de Javel, on va le découper. Et il vous servira pour faire le mélange. En parlant de mélange, encore un peu de sécurité. C'est très important de d'abord mettre l'huile dans le récipient et puis la lessive de soude, parce que si on le fait à l'envers, on risque d'avoir des éclaboussures de lessive de soude. Donc on fait couler la lessive de soude dans la graisse, et la graisse amortie et on n'aura pas de l'éclaboussure. Donc, le récipient vide. Un petit machin pour peser. On doit être précis, très 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 précis. Pour aller un mixeur de la cuisine. Utiliser celui de la cuisine, il n'y a pas de souci, parce que c'est propre, hein, c'est de la lessive de soude. C'est de l'huile, c'est pas pour à manger après, ça n'a aucun souci. On le lave, hein. Il n'y aura aucun souci. Et encore, si on veut rajouter quelque chose qui sent bon, on peut rajouter de l'huile essentielle de quelque chose. Moi, je vais mettre de l'huile essentielle de laurier. Cette fois-ci, je vais mettre de l'huile essentielle. La dernière fois, j'avais pris du laurier du jardin que j'avais broyé et que j'ai mis dedans. Ça, c'est bien aussi. Ça me fait un petit savon qui tirait vers le vert. Mais cette fois-ci, je vais mettre de l'huile essentielle que je n'ai pas mis sur la table, mais je vais aller chercher dans l'armoire. Voilà. Maintenant, on va travailler. Un peu parler, mais c'était important de dire la sécurité, et c'est tout ce dont on a besoin. J'ai les quantités ici sur un papier. Je les mettrai là quelque part. Que vous ayez la formule écrite. Allez, j'arrête de travailler, j'arrête de parler et je me mets à travailler. J'ai oublié de dire, on
prépare. Dans le récipient, on met 2 kg d'huile d'olive. Ça revient grosso modo à 1,5 litre, mais il faut peser. C'est au gramme qu'il faut, c'est pas au litre, c'est au gramme qu'il faut quantifier les quantités. Donc 2 kg d'huile d'olive. Et dans un petit pot, on prend 60 g d'huile d'olive et on y ajoute le laurier en poudre. Aussi, je vais essayer l'huile d'olive, l'huile essentielle. Et je vais en mettre 3, 4, 5, 6, 7. Vingt et quelques gouttes. Ça sent bien, ça sent bon. Et ça, on le réserve pour la deuxième étape. Donc, on va faire en deux phases. La première, dans l'huile d'olive, on va mettre la soude. Donc la soude, la lessive de soude diluée à 29%, donc c'est dilué à l'eau, hein, dilué à 29%. Et je rajoute 855 grammes de lessive de soude. Oui. Hein? Je dis qu'il faut la sécurité et je ne l'applique pas à mon main. J'ai quand même de les gants. Et quand même de les gants. Et les lunettes, parce que sur les yeux, je pense que ça va piquer. Voilà. Et je continue. Donc, vous voyez, 855 grammes. Ça ne prend pas un pot entier, vu que celui-ci était déjà utilisé de la précédente fois. Il me manque un petit chouïa, je suis à 800 grammes, il me manque 55 grammes. 856. On n'a pas un gramme près au-dessus, en dessous, ça va. Mais il ne faut pas exagérer, faut pas trop dépasser la dose. Bon, c'est fait. J'ai plus besoin de peser pour le moment. Non, pour plus du tout. De l'autre côté. Je prends le mixeur. On mélange pendant 10 minutes. Ou plus ou moins jusqu'à ce qu'on voit que la trace. Donc ça veut dire que ça commence à devenir solide. Et on voit des lignes, des cyclones, des lignes dans la pâte. Dix minutes. J'ai pas de courant. Moi pas. Petite histoire. On verra plus tard, j'aurai déjà fait le mélange. Je suis de retour assez vite, ça a pris même pas 2 minutes grâce au mixeur. En fait, on obtient une pâte, ça ressemble à une mayonnaise. Donc, je ne vais pas perdre de temps. Je mets l'huile avec l'huile essentielle dedans.
et je remélange. Déjà. Ça a été plus vite que d'habitude. On peut le faire avec un bout de bâton. Hein. Au lieu du mixeur, on fait ça avec un bâton, mais alors c'est beaucoup plus lent. Mais là, c'est très rapide avec le mixeur. J'ai une espèce de mayonnaise. Et mon mélange reste dans le moule, dans le récipient qui va me servir de moule. Ça va durcir. Et demain, je démoule. Donc je coupe. Hein. Et puis je coupe des petites pastilles, tant que c'est encore tendre. Et puis on laisse sécher pendant minimum 4 semaines, un mois. 4 semaines et après on pourra l'utiliser, on peut le laisser encore sécher, mûrir pendant plusieurs mois, ce sera encore mieux, le savon sera plus doux. Bon voilà, ça il faut laver. Je vais montrer la consistance. Oui. Ça tombe pas. Je vais lisser ça un peu pour que ce soit plus. Les gants sont perdus, donc je vais lisser ça avec les gants. Quand on met les gants, on sent que c'est chaud. On sent que c'est chaud, ça chauffe, hein. Ça travaille. La lessive de soude consomme la graisse, et donc ça chauffe. Bon voilà. Tout ça, c'est du savon qui va être perdu. Allez, c'est bon. On va démouler. Utiliser un tas de moules, par exemple les bouteilles en plastique, les simples bouteilles en plastique d'eau. Une fois que c'est sec, on coupe des tranches et on obtient des pastilles bien rondes comme la bouteille. Et il y a d'autres moules qui pourront faire des pastilles rectangulaires. Faites votre choix. Avec un emporte-pièce, on pourrait même donner une jolie forme aux pastilles. Et avec les restes, on peut faire du savon liquide. Après, je vais vous montrer le savon. Donc, c'est encore mou, c'est encore malléable, on s'est coupé encore facilement. Donc, demain, ce sera déjà encore. Après 48 heures, ça devient déjà solide. Dans un mois, ce sera une pastille de savon bien solide. Je n'ai pas gagné le concours du savon le plus joli, mais pour le concours du savon le plus utile, ouais, j'ai peut-être mes chances. Ça m'en fait
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 9, 23 pastilles de savon, et puis plein, et puis une 24e le savon monstre, et puis des petits bouts. Voilà, on a fini. Salut!